Je suis fière suite au spectacle qu'il y a eu lieu ce soir de pouvoir soutenir avec notre politique culturelle cette compagnie, la compagnie des figures avec laquelle nous travaillons depuis plus d'un an et demi. Et c'est un beau partenariat qui a permis d'offrir un spectacle qui a été fait avec les habitants et pour les habitants. Caravelle, qui est le centre culturel de Marche Prime où on développe une saison de spectacles vivants. Ce travail a été mené à base de collectage, de rencontres avec les habitants, découverte de territoire, apéro blabla, balade comptée. Ce soir, donc, c'est le grand final de ces un an et demi de présence sur le territoire qui a rassemblé 70 participants. Alors la compagnie Les Figures était 10 cette semaine pour créer ce spectacle, donc depuis lundi. Donc 4 jours de création, même si le texte avait été écrit avant. Les acteurs en eux-mêmes sont 6, donc il y a aussi des artificiers, des créateurs de décors, un musicien. Et ensuite, comme je vous disais, on est 70 sur le site pendant le spectacle à encadrer, donc les bénévoles pour l'encadrement du public, la fanfare municipale, les adolescents, ils étaient au moins une quinzaine, les motards, j'en oublie les chevaux, voilà. Il y a eu de nombreux, la musique, voilà, il y a eu de nombreuses participations d'habitants. Le spectacle a été écrit à partir d'histoires racontées par les habitants. À travers une pièce de théâtre, voilà, de pouvoir aussi faire découvrir leur ville à des habitants qui arrivent sur Marche Prime.